Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un court-métrage, c'est tout simplement un film en cours. Et un film, dans le milieu, on appelle ça un long-métrage. Ce qui est, pour l'instant, logique. Mais attention, court-métrage ne veut pas dire petit budget. Parce qu'on peut penser ça. Certes, il y a des courts-métrages qui sont tournés avec moins de matos. Mais j'ai fait des courts-métrages, je crois que leur travelling valait le prix d'un appartement à Paris, à côté de la Tour Eiffel. J'ai comme projet d'en faire. Les courts-métrages ne passent pas au cinéma. Il y en a qui sont passés par là, mais pas beaucoup. Même dans un court-métrage, il y a les acteurs dans le long-métrage. Et pas les acteurs qui jouent. Hein. C'est-à-dire les acteurs, ceux qui font le film. Ouais. Pour commencer, on a le narrateur qui lui va écrire l'histoire. Ensuite, cette personne va choisir un réalisateur qui lui va être le patron du film. Il va tout simplement gérer tout le film. C'est lui qui va dire si on garde les prises, si on les supprime, si on la recommence. C'est lui qui va tout faire. Mais attention, j'ai pas dit qu'il faisait tous les postes du cinéma. Parce que oh, les amis, vous allez voir, c'est un truc de fou. Hein. Vu personnel. Donc, il va... Ah, mes doigts. Ils ont mangé le mur avec leurs doigts. Ils ont des crans comme ça, ils mangent comme ça, ils font cri. Il va choisir une équipe avec laquelle il va travailler tout le long du tournage du film. Nous avons le cadreur qui va gérer la caméra, les plans, les angles de vue à prendre. L'ingé son qui va gérer le son accompagné de son assistant qui lui va gérer les micros. Il est aussi appelé Perchman. La script qui elle va gérer les forts accords du tournage et la bonne continuité du film. Nous avons le directeur photographie qui ne va pas prendre de photos, mais qui lui va gérer la lumière, les objectifs et tout ce qui va avec. La maquilleuse qui va maquiller les acteurs en maquillant les acteurs avec du maquillage. La décoratrice qui va faire les décors, hein, tout ce qui va avec, hein, tu vois, genre gérer la salle, tout ça. Les machinistes qui vont gérer tout ce qu'il faut faire comme installation, niveau lumière, travelling, placement de caméra, placement d'objets dans le champ, assez imposant, tout ce qui est technique. C'est les machinistes qui vont gérer ça, parce que c'est une partie très très importante du cinéma. Pour par exemple les réflecteurs, c'est un très bon exemple, les réflecteurs et les fonds verts, tout ça. La régie qui va aller chercher les acteurs à la gare, elle va aussi aller chercher le matériel qu'il y a en dehors du lieu de tournage. Et puis aussi une partie très très importante, elle va aller chercher tout ce qu'il y a à manger, à boire, tout ça. Donc voilà, ça compte beaucoup pour moi, oui. Et il y a bien sûr les acteurs qui, comme on pourrait le croire, ne sont pas les personnes les plus importantes d'un tournage. Il faut savoir qu'environ toutes ces personnes sont accompagnées d'un assistant. Assistant réalisateur, assistant photographie, assistant son. Enfin, son, c'est pas pareil, c'est différent. Voilà, ils sont compliqués dans leur vie. Et puis, à la fin du tournage, nous avons la fête de fin de tournage. Là où tout le monde se bourre la gueule, littéralement. Juste après s'être défoncé la tronche, le monteur récupère les images et le son. Et commence à fabriquer le film. Il a assisté de son assistant, qu'on appelle aussi chef monteur. Enfin, le monteur, hein, pas l'assistant. Tu comprends? Ouais, vas-y, c'est compliqué. Donc lui, il va le faire le film et ça va être la première personne à voir le film fini. Puis cette personne va envoyer carrément le film monter à un laboratoire qui lui va faire les petites vignettes. Que tu vois quand il y a des grosses bobines de cinéma, des trucs de ouf et tout, enroulé autour d'un gros truc comme ça que tu mets dans les vieilles caméras et tout. Oh là là là. Ou alors, tu te fais pas chier, tu mets le film sur une clé USB et tu l'envoies au cinéma. Voilà. Maintenant que tu connais tout sur le cinéma, tu dois t'abonner à ma chaîne, tu dois liker la vidéo et tu dois la partager. Ouais, moi je suis un thug, j'ai des obligations aux gens qui me regardent. Bon voilà les gens, bah je vais devoir vous les... Attendez. Allô? Ouais, ça va? Ouais, et t'es dispo quand pour le court-métrage? Ah et salut! Bah,